Bon, John, merci d'accepter mon invitation. Présente-toi, Comment présenter? Je m'appelle Joël Camon, c'est tout. Voilà, je pense que l'un des Windows connaît moins, l'un des connaît pas moins. Bien sûr, parce que l'extrêmement connu à La Réunion. Où sont la débute le football? Football au port. À la Jeanne d'Arc? Ouais, la Jeanne, on a grandi à la Jeanne. Après le parcours était quoi? Saint-Louis, Tampon, Saint-Pierre, et là, Renouveau Tampon. Revenir au centre. On a quand même un palmarès vraiment pour un footballeur rayonné. On a quand même le plus grand palmarès. Ou plus grand, je ne me connais pas, mais bon, il peut aller, mais je pense que le pas n'est pas important. Dans le football amateur, je pense que voilà, l'essentiel, c'est que il y a un peu de réussite, et en même temps, on a la santé jusqu'à présent. D'accord. On a quand même une famille de footballeurs, puisqu'on a votre frère Roberto qui joue avec vous au tampon. On a également le petit frère Ricardo qui joue à la Jeanne d'Arc. Vous êtes famille de footballeurs. Ben, on va dire ça pour moi, toute la tombe dedans, bon, inconsciemment, donc elle est bien pour la famille. Je pense que la réussite est là, je pense, hein, jusqu'à présent. Donc après, on a encore d'autres petits délires, je pense que Vas-y, vas-y. bah ouais, va suivre nous, va essayer de relever un peu le défi. D'accord. Et concernant la sélection, en quelle année on a eu la première sélection, enfin, si on se souvient. Oh, souvenir, première sélection, mais plus trop, mais un peu vaguement. Vaguement, il doit être quoi, 98, 99, vaguement. Hein, donc, Donc, elle a été au Jeu des îles de La Réunion. je disais La Réunion, non, au dernier moment, non. 98 ici, non, parce que tu es au dernier moment, donc non. Et après, les autres, oui. D'accord. Donc, Et pour revenir au club, avec quelle équipe, est-ce que vous vous souvenez de quelle équipe remporte le plus de titres? Costume, ça c'est en fait compte avec Saint-Louis. Avec Saint-Louis, Ah oui, en il connaît Marie, 2002. Saint-Louis, m'a Marie, D'accord. donc m'a tout gagné à Saint-Louis. Vous avez fait partie de l'équipe qui a fait le triplé en 2002? Le triplé, non, pas le triplé, non, Donc, en 2002, on avait déjà quitté la Saint-Louisiane. lui il m'a déjà allé, donc voilà. Là, on approche de la fin de carrière. Quel est le plus grand regret? Qu'est-ce qu'on a comme regret? Regret, en fin de carrière, regret jusqu'à présent, on n'a pas de regret. Hein. Le seul regret, c'est bon, la blesse à Madagascar, c'est toujours un regret parce Ah que oui, c'était justement. pas de mon nature, mais sinon, regret, on n'a pas de regret parce que jusqu'à présent, on a réussi. Donc voilà, maintenant, on connaît toute chose a une fin. J'espère qu'on va bien finir. Comme on l'a bien commencé, je pense qu'on va bien finir. Vous comptez faire encore combien d'années? La bonne question. Connais combien d'années? Il doit être facile, il doit quoi? Peut-être ces dernières, peut-être l'année prochaine. Il doit paraître beaucoup quand même. D'accord. Quel conseil vous donneriez à un jeune, il voudrait être comme vous, enfin, il voudrait jouer au football ici? Ici, une officine à Tour, ici un jeune maintenant, mais pense plus, vu que ça va le football. Hein. Bon, sortant maintenant dans la ville, est plus facile si on prend par l'école d'une, c'est plus facile le football, mais plus ça va, c'est dur. Mais vous pouvez faire conseiller plus les études, et après le football passe après. Comme moi, elle était le contraire, tant mieux la réussite, mais plus que ça va, je pense que commence à être dur quand même. Donc voilà, le conseil, c'est maintenant, il faut persévérer, croire. Et on n'a jamais tenté à... enfin, on avait déjà tenté à d'aller en France. Si la tante à moi m'a parti revenir, donc t'es plus vraiment en fin de compte. Hein, donc à l'époque, t'es plus vraiment, n'avais point tout ce soutien, tout ces. Comment tout ça, maintenant on a, avant c'était plus famille d'accueil, maintenant on a quoi, les centres de formation, on a tout, mais à l'époque, n'avais point de ça. Hein. Ah bon? Donc t'es livré à vous-même, donc t'es pas pareil. Donc c'est pour ça, t'es pas intéressant. Merci beaucoup, John. Merci.